Mettre une cuillère d'huile d'olive sur le couscous, puis bien frotter le couscous avec l'huile. Puis mouiller à l'eau généreusement. Essayez d'ouvrir les boules de couscous, puis laissez reposer. Le couscous va absorber toute l'eau. Une fois sec, travaillez le couscous entre les doigts pour séparer les graines. Mettre du beurre salé dans la marmite, puis rajouter une cuillère d'huile d'olive. Rajoutez aussi les morceaux de poulet fermier et laissez dorer. Ajoutez l'oignon et deux gousses d'ail hachées. À ce stade, rajoutez le coulis de tomate. Il est temps de mettre les épices, sel, poivre, paprika, curcuma, gingembre et coriandre en poudre. Rajoutez les légumes, branches de céleri, navets, carottes et un petit piment. Bien remuer pour faire imprégner les légumes des épices. Puis rajoutez les pois chiches surgelés. À ce stade, rajoutez 1 litre et demi d'eau. Il est temps de mettre le couscous dans le couscoussier et le poser sur la marmite. Au bout de 15 minutes, retirez le couscous du feu et le versez dans un faitout. Remuez avec une cuillère en bois. Mouillez avec de l'eau et retournez encore. Faire imbiber le couscous d'eau. Faire cette opération 2 fois. À mi-cuisson, rajoutez le reste des légumes courgettes, potiron et patates douces. Voici notre couscous servi. Bon appétit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.